amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, je t'ai fait exploser les oreilles, c'est pas grave. Tu sais ce qu'il y a là, la PlayStation 5, je l'ai reçue aujourd'hui. Voilà, elle est là, hein. on est le 4, voilà, elle est là. Donc t'inquiète pas s'il y aura des petits lives tranquillou sur Twitch. Mais aujourd'hui on va parler de Tsubasa avec la PS5 juste à côté de moi. Elle va faire la vidéo avec moi d'ailleurs. Voilà, fit PS5. Attends, on va te cadrer un petit peu. Comme ça. Voilà, hop. Bon, il y a le linge derrière, tu feras pas attention, on s'en balèque. Troisième anniversaire. C'est la dinguerie apparemment. Moi je viens tout de suite de sortir du boulot à 14h. Donc là je suis parti chercher la PS5. Et là je suis rentré. Je me suis mis sur mon 31. PSG, on a battu Manchester 3-1. Au calme, grand Neymar. Mbappé toujours. Mbappé, il joue avec ses pieds. La tête dans les pieds. Donc comme d'habitude. Bref voilà, je suis excité. Tu l'as compris. Allez c'est parti. Donc apparemment carte LR de Diaz. Oufissime, bref, voilà quoi, c'est un délire ce qui se passe. Donc on va faire, voilà, hop, wifi, je viens tout juste de mettre le jeu sur Boostack et tout, t'inquiète pas, on va faire ça tranquille. Je sais qu'il y a le petit live de Mitch, bisous à Bigito, bisous à Tsushi, et toute la famille Tsubasa, je vous aime tous, vous inquiétez pas, c'est comme d'habitude. Allez. On va voir un petit peu qu'est-ce qui sort. Je sais qu'il y a des tickets, Dream Fest, un ticket par jour. D'après mon ami Bigito, faut peut-être les garder. Après, on les fait à la fin. Donc, on va faire des petites invoques, mais attention. Tu vois. Bon, après, ce qui est dommage dans cet anniversaire, c'est qu'on n'a pas les vrais maillots du Real, les vrais maillots du Barça, etc. Ça, c'est le petit bémol. Voilà. Bon, apparemment, il y a le maillot de la Turquie, d'après comment on m'a dit. Donc, aussi grosse bise à Selmo. Apparemment, qui a peut-être quitté le jeu. Donc, espérons qu'il revienne sur sa décision. Le petit Selmo. Voilà, première série, Dream Mission premier round. Donc, apparemment, il faut retweet, les gars. Si on arrive à 2000 retweets, on pourra avoir des cadeaux de fou. Dream Ball à gogo. Bref, voilà, quoi. Il y a un nouveau truc Igawa pour le potentiel, etc. Comme d'habitude, apparemment, il y a des joueurs coffres de oufissime. Il y a un nouveau dribble de notre ami Schneider S. Donc, voilà. Il y a un pack, apparemment, où il y aurait des, voilà, pack 45 Dream Ball avec des tickets premium à choisir, etc., etc. Pronostic, nanana, bon, on s'en balèque. Hop, on va cliquer dessus. Donc, premier portail, c'est Real Madrid avec Roberto Carlos. Bon, c'est Carlos maintenant, il l'appelle parce que voilà, c'est la version Lidl. Et Buelo, donc Buelo, je crois que c'est Hierro, Fernando Hierro. Et je crois que normalement, lui, c'est Guardiola, je crois. Je crois que c'est Guardiola avec Rivaul qui frappe du gauche, magnifique. L'un des plus. Maintenant, il a un vrai tir. Hein. Le Rivaul, il a été totalement respecté. Il a un tir à 510, on va voir ça tout à l'heure. Il y a des récompenses quotidiennes, des missions quotidiennes, scénario quotidien avec voilà. Enfin, tout est quotidien en fait. C'est la fête au village. C'est la fête au village. Voilà. Allez, hop, je reprends un peu mon souffle parce que là je suis un peu excité. J'ai excité à cause du travail parce que voilà, c'est un peu le bordel en ce moment. On est en train de déménager à mon taf, donc c'est un peu l'excitation complète. Etc, etc, je vais pas vous raconter ma vie, vous ne, ça vous intéresse pas plus que ça. Il y a le mixeur, on va faire le mixeur, ça on va le faire, je vous le promets. Il y a le Dreampot avec notre ami Tritrizaki, bise à Tritri qui nous ramène des images PNG pour vous faire des belles miniatures, grosse bise à lui, voilà. Allez c'est parti, on va regarder ensemble la petite, la vraie frappe du gauche, tout à puissant, le twin shoot démoniaque. D'accord, Roberto Carlos. Ouais, Josep Grandios. Bruno. Donc, palier à 270 Dream Ball, les gars. On va les détailler. Hein. Donc, les gars, prenez un coca, frites, basket, merguez, tout ce que tu veux. Pour vous mettre tranquille, la vidéo va durer un peu longtemps. Voilà, je préfère vous le dire. De toute façon, je vais les surveiller les jours, on va les voir ensemble. Au calme, tranquillou. Je sais pas si je vais invoquer dessus. Voilà, les joueurs, apparemment, ils ont l'air d'être très forts.
Le revival a été totalement respecté. Donc là, on va avoir les premières récompenses. Voilà, les tickets. Un ticket par jour. Ça, c'est quoi? C'est Dreampot? Moi, je vais attendre. Voilà, peut-être on va faire une vidéo grosse invocation. Voilà, pour l'anniversaire, dans 10 jours. Donc, on est le 4. Vers mi-décembre, je vous promets une belle vidéo invocation. On va tout craquer. On va tout craquer. C'est Noël. C'est la fête. C'est la fête. Allez. Enfin, j'espère que ceux-là, on peut les garder. Hein, j'espère. Trois. Quoi? Trois tickets Césaire? D'accord. Ok, très bien. Donc, on a des Dream Ball. 33 Dream Ball, 3 Dream Ball, 3 Dream Ball, 3, 5. Ah ouais, ça va être la fête. T'as 3 tickets SSR. 10 tickets SR. Wow, c'est la première fois. Récompense. Ok. J'ai rien fait. Ah, choisis 3 joueurs à soutenir. Ok. Ah, ok. Donc, il faut trouver le. Ok. Allez, on va mettre l'arabe, voilà. Arab Nation, Unition. Allez, on va prendre Uo Benzema. On va prendre quoi? Allez. Bon, on va pas prendre que des arabes non plus. Arabe Titan, eux, ça sent la grosse baleine. Hein. Ah, bah attends, mais ils ont Ah, d'accord, donc il y en a beaucoup qui visent zéro. Allez, vas-y, zéro. Et on va prendre Deku, je connais Deku. Deku, on l'a déjà eu plusieurs fois dans les lives. Allez, on va prendre bah lui. On va faire le Kikoulol. Allez, hop. Allez. Merde! Bon, j'ai cliqué. Bon. Bon, bah 20 Dream Ball, c'est bien. C'est bien, c'est bien. J'avais 750, 750, 770, c'est très bien. C'est bon? On peut partir ou c'est comment? Ok. Oh là là, quand je vois ça, frère, ça fait du bien. 42 missions, 17 cadeaux. C'est Noël. En fait, c'est Noël avant l'heure, en fait, les gars. Les gars, c'est Noël avant l'heure. C'est ça. Alors, on va voir qu'est-ce qui s'y passe. Qu'est-ce qu'on a? On a des tickets. Évolution. Ouais, c'est. Évolution 150 fois. Ah ouais, franchement, ils nous ont fait plaisir, les mecs, là. Là, ils sont pas foutus de nous, là. Ils sont pas trop foutus de nous. Donc là, on a des missions quotidiennes. On en a 15 en tout à récupérer. Donc je vais aller les récupérer. On va les récupérer tranquillement en off. Ok. On va pas se prendre. Attends, déjà, hop. Arigato gozaimasu. Allez. Oh, 838, 68 Dream Ball, les gars! C'est la fête à la Dream Ball, les gars! Eh oui! Mais oui! C'est ça qu'on aime, les clubs! C'est ça qu'on a demandé pendant 3 ans et que tu nous as pas donné. Et encore 3! Il n'y a pas de problème, on t'excuse, mon frère, on t'excuse! Eh oui, 50 encore! S3 encore! Mais il n'y a pas de problème! Encore 20! Mais c'est la fête en fait! C'est la vraie fête! Et en plus, il nous donne 3 idées et 3 catégories. Ça, c'est des gros cadeaux, ça. Allez, on va voir comment ça va nous faire. 900, les gars! Mais c'est n'importe quoi, les gars! On est à 900. J'ai jamais eu 914, les gars. Là, je vais pas vous mentir, jamais eu 914. Merci, Club! Voilà, merci Club, et là pour de vrai, merci, merci, merci. D'ailleurs, on va faire un petit tour à la boutique. On va commencer doucement, les gars. On va commencer doucement avec la PS5 qui est là. Voilà, elle est là, la PS5. Ah ouais, d'accord, 90 euros le pack avec le SSR garanti, Dream Fest, Dream Co. Ah ouais. Ah ouais, les gars, ils sont pas foutus de nous, les gars. Les gars, ils sont pas foutus de nous, les gars. Mais bon, 90 euros, les gars, aussi. 90 euros. Ah, les magasins Dream Ball. Ok. 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 Donc, ça, c'est, je pense que c'est le farm. Ça doit sûrement être le farm, ça. Ouais, ça doit sûrement être le farm. Donc, je vais le farmer. Attends, le Igawa coffre. Apparemment, là, il y a des coffres qui sont pas dégueux. Hein. Déjà, 1000 de compte, déjà. 1000 de compte pour un joueur coffre, les gars. Là, les gars, ils sont pas en train de se foutre de notre gueule. On a super cohésion à 17%. Bon, pour un joueur gratuit, c'est bien.
Pour un joueur gratuit, c'est très très bien, les gars. Et tueur de non-jap, 25%. C'est pas mal, hein, le petit Gawa. Bon, j'ai pas la carte version, la carte version UR, Max, GT Turbo. Je pense que vous avez dû l'avoir chez Mitch ou Bejito ou Atsushi. Médaille Union. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la médaille Union? On a des formations, nanana, on a des ballons, on a Igawa encore. Bon, tout ça, on les connaît. On les connaît. Donc, Igawa à aller chercher, les gars. Je pense qu'il est viable, moi, lui, Igawa. Je pense qu'il est viable. Il y a le time attack. Il faut que je finisse le Müller. Je vous jure, les gars, il faut que je le finisse. Le Müller, il faut que je le finisse. Médaille G-League. Qu'est-ce qu'on a en news? Ah, ouais. D'ailleurs, les gars, mettez-moi en commentaire. J'ai 2 jours pour choisir entre Matsuyama et Morizaki. Qui je prends? J'ai 40 pièces G-League. J'ai déjà le Sawada. J'ai fait deux multis, j'ai eu Sawada. Donc j'hésite vraiment le Matsuyama et Morizaki. Et je vais peut-être aller sur le mythe Matsuyama, mais j'attends vos commentaires sur la vidéo. Sur la vidéo. Ah ouais, ils ont mis les. Ah ouais, ils ont mis l'Indonésie, ils ont mis l'Indonésie, la Turquie officielle. Ah ouais, c'est le mot, mon pote, tu t'en fais plaisir là. Ah, j'aurais bien voulu voir la Tunisie par contre. Je sais pas pourquoi ils ont mis la Turquie, mais ah, attention, peut-être qu'il y aura des nouveaux joueurs. Peut-être qu'il y aura des nouveaux joueurs. Putain, par contre, ils ont mis beaucoup de SPS. Machin Dream Ball, c'est bien ça. Enfin, je crois que. Je sais pas s'ils étaient déjà. Ah, il y a le tac le fusil, ça c'est bien ça. Ah, tacle le fusil, c'est bien ça. Moi, j'ai un Igawa qui est extrêmement fort. Je sais pas s'il a un tacle. Je sais pas s'il a un tacle. On va regarder là-dedans. Ouh, tir du Condor S. Attends. Putain, ils ont mis le nouveau tir du Condor S. Bon, j'ai pas de Espadas. Ok, bon, ça va finir. Ouais, de toute façon, j'ai déjà pris les tickets. Medaille League. Ok. Ah oui, parce que je suis sur Blue Stack. C'est pour ça qu'il met New, en fait. C'est parce que je suis sur Blue Stack. 914 Dream Ball, les gars. 914 Dream Ball. Ah, il y a le pronostic qui est là. Ah, d'accord, c'est marrant ça. C'est marrant. Bah, on va aller dans New. J'ai 2 tickets SSR. Je sais pas si je les mets ou pas. Donc, on va les voir, vous inquiétez pas. Bon, Gentile, très très fort. J'ai pas fait la vidéo parce que bon. Pff. Voilà. Par contre, le rate up est ouf. Là, le rate up, les gars, il est ouf. Santana, c'est un joueur que je vise particulièrement. Parce que j'ai des nature attack très très forts et ça match complètement pour faire le full metal fantôme. Ouais. Même le Schneider vert. Franchement, les deux qui m'intéressent le plus, même. Allez, Gentile est extrêmement fort. Gentile, il est insane. Mais si j'ai les trois sauf Soda, c'est la dinguerie. Voilà, c'est la dinguerie, mais je vais pas invoquer sur le Dreamfest. C'est un choix, bon, voilà. Voilà, hop. On a le mixeur, ça c'est pas mal. Ça, je vais les donner. Ça, on va les faire ensemble, peut-être. D'accord. Apparemment, ils ont boosté les. Comment ça s'appelle? Ils ont boosté les. Et comment ça s'appelle? Bon, il s'affiche plus lui, mais bon, c'est pas grave. Ok. Je sais pas pourquoi il s'affiche pas, mais pourquoi pas. Je sais pas ce qu'il a, Boostac, mais de toute façon, on s'en fout. C'est pas ça qui nous intéresse le plus, heureusement. Bon, allez, on y va, les gars. On y va. Après, je vous fais le Diaz aussi, LR. La carte est juste sublime, les gars. Elle est sublime. Juste sublime. Allez, Grandiose bleu, Rivaul bleu, pardon. Attaquant, milieu offensif. J'aime bien la carte. J'aime bien la carte. Brésil, Catalogne, 1107, 21 423, 7 932. Pour l'instant, les stats ne sont pas ouf. Mais on va voir. Peut-être que dans les HA, peut-être ça va booster de fou. Et voilà. 7 148 en puissance. C'est très bien. Ça va avec la frappe. C'est pas le joueur le plus fort en frappe. Mais on va voir ça tout à l'heure. 6 500 en dribble, 6 928 en passe. Donc quasiment 7 000. C'est très bien, c'est un joueur que j'aime plutôt bien en termes de stats. Super cohésion, non-jab bleu. En ce moment, et c'est que ça, il n'y a pas de club ou quoi. Full body distance, 35%. Plus il y a de l'endurance et plus il va frapper très fort. Donc en fait, plus il est en full stam et plus il est fort. Et plus il a plus de stam et moins il va être fort. Voilà. Pied gauche doré menant à la victoire. J'aimerais bien le voir celui-là. J'essaie de le chercher sur YouTube. 495, 510. Donc le tir le plus fort de Rivarol. Et l'un des plus forts du jeu. Voilà, tout simplement. Nouveau Golden Duo, je pense, avec Tsubi.
Voilà, le rival turn, pas de souci. Le lien avec Tsubi en club, plus 3% pour tous les joueurs. Voilà. Donc il vous faut un Tsubasa Barcelone. Voilà. Et tout le monde aura 3% dans l'équipe. Courage, donc tant qu'il lui reste 1% d'endurance, il peut utiliser CTS. Pas mal. Super remplaçant, plus 5%. Je pense que tu peux quand même le laisser en dès le début. Je pense que tu peux laisser dès le début. Plus 3 pour... plus... Encore plus 2% Tsubasa Club. En fait, il a 5 en fait. En fait, il a 5 en tout. En foot, en tout, lui, il a 5. Bon, les autres ont 3, mais lui, il a 5 en tout. Ok. Et il... Ah ouais. Ah ouais, ça c'est bien. Ça, moins 10% quand il fait faire sa frappe. C'est... Ça peut jouer, hein. Ça peut jouer. Non, pas mal. Pas mal. Pas mal le rival. Pas mal. Roberto Carlos. Moi, j'appelle Roberto Carlos. Hein. Donc, voilà. Moi, j'ai le vrai. J'ai le vrai. Plus fort déjà. Voilà. Déjà, moi, mon tir à moi, il est plus fort que le sien. Ouais, toujours fait mental. En passe. 4320. 6900 en dribble. 9359 en tir. Madrid Blanco. Brésil. 8292 en fait, c'est le même Roberto Carlos de, à l'ancienne. Je crois même que l'autre, il doit être encore toujours aussi fort. Sauf que l'autre, il a pas de HA. Ouais, il a pas de HA. Défenseur, rouge. Donc, super cohésion non-ja, plus 1%. Et mettre des ailes, plus 20%. Là, ça peut faire mal. Là, ça peut faire très, très mal. D'ailleurs, Roberto Carlos joue toujours dans les ailes. Et là, 20%, ça peut faire extrêmement mal, les gars. Parce que c'est un passif qui va tout le temps être activé. Et 20% sur 9359, donc ça fait 900. On est à 1800, tu rajoutes 1800. Donc on est à 11 000, en fait, en tir. Et à peu près un peu moins 10 000 en tacle. Ouais. Twin shoot démoniaque avec notre ami Naturezza. Il éjecte 3 joueurs. Dribble direct. Moi j'ai le dribble Galaxy, là je sais pas quoi, Madrid Blanco, je sais pas quoi. Tacle maxi vitesse, interception haute vitesse. En interception, il est. Ouais, en contre c'est une merde. Bon, de toute façon, contre on s'en fout. Non, pas mal. Pas mal. Gros tacleur, grosse frappe, voilà. Avec au moins 3 joueurs. Ah ouais, les gars, ça c'est bien. Ça c'est bien. Au moins 3 joueurs. Si tu comptes jouer une non-jap. Non, Jap rouge, il te faut ce Roberto Carlos. Il te faut ce Roberto Carlos. Ou au moins, si tu fais une équipe mixte bleu-rouge, il te faut au moins 3 rouges et le reste du bleu, et ça devrait passer normalement. Ça devrait passer. Ah là, c'est bien. Tire angle raid, ça c'est bien aussi. Il peut tirer de son aile, ça perdra pas. Augmentation de la distance de dribble. Oh putain. Fois 7,5 les gars, c'est un truc de ouf. Et quand il y a Naturezza plus 2%, il scelle une TS. Ah frère, vas-y, c'est bon, on arrête le jeu, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon les gars, arrêtez les gars, c'est trop fort. C'est trop fort les gars, en fait tout est quasi activé. C'est Naturezza pour faire la TS, bah, il faut Naturezza dans ton équipe. Et je pense que tout le monde a un bon Naturezza. En fait, à la rigueur, ça aurait été un Naturezza Club, ce qui aurait été un peu plus sympathique, tu vois. Bon, après, c'est bien pour nous, mais... Non, 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 très très fort. Très très fort, le Roberto Carlos. Mais pour, si tu joues une non-jap rouge, il te le faut. Voilà, il te le faut, si tu comptes jouer une non-jap rouge. Grandiose, Josep Guardiola, 1117, Catalogne-Espagne, 21624, 9000 en dribble, gros dribbleur. Et 7638. Ce qui est un peu bizarre, c'est que normalement, Guardiola, tel que moi je l'ai connu à l'époque, c'était plutôt un super passeur. Mais vraiment un passeur de glace mondiale, un peu à la Pirlo. Là, ils te font le dribble. Donc, moi, pas comprendre toi. 18561. 8253 en interception. Ça, c'est très, 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 très fort. Milieu offensif, milieu défensif, ça, c'est bien. Double poste. Je suis très content. Super cohésion. Club. Club type vitesse, ça c'est bien. D'ailleurs, le Roberto Carlos, j'espère que c'est club. Non, c'est pas club, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de club. Interception automatique, 100%. 100% sans utiliser de la stam. Donc si tu fais une passe à côté de lui, t'es mort. T'es mort. T'es mort. Pas, triple pas, donc gros dribble. Passe 2 mètres, 465, ça c'est pas mal, ça aussi. Putain, 465. Interception perspicace et tacle splendide. Ah, il est pas mal. Pas mal le grandiose. Pas mal le grandiose. Par contre, il te... Ouais, non, non, très bien. Non-jap,
bleu avec sa couleur. 2%, c'est extrêmement bien. 10% de chance de déclencher une technique spéciale lors d'une interception automatique d'un. Ah oui, il donne 10% d'interception automatique à tous les joueurs. Non-jap bleu. Donc il faut vraiment que tu joues non-jap bleu pour que tout le monde l'ait. Et si tu fais une passe, 10% pour tout le monde. Bon, lui c'est 100%. Grandiose, 100% qui va l'intercepter. Et les autres, ils ont 10% pour tout le monde. Mais c'est n'importe quoi. C'est nimp. C'est nimp. Voilà. C'est nimp. C'est quasiment, je dis pas injouable, mais très difficilement jouable. Seulement de l'ATS. Voilà, bon. Voilà. Pression. Donc, pression, si en partant le duel, moins de paramètres de moins 10% lors de chaque commande. Voilà. Donc, en plus, si tu réussis ton dribble, l'adversaire, il va avoir moins 10% sur la commande suivante, sauf le gardien. Mais c'est un truc de ouf. Bon, il y a un chiffre de 2%. Et il est fort, le grandiose. Ah, il est grandiose, hein. Lui, il est grandiose, hein. C'est incroyable. Incroyable. Bluno. Bluno, 1083, 16 054 en attaque. Voilà, mais on va se concentrer sur les sur les sur le, sur le, sur l'aspect défensif très 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 fort. Il est vert, 24 000 en défense, 8 700 en attaque, 7 800 en contre et 7 500 en interception. C'est pas dégueu du tout, les gars. Pas dégueu du tout. Non jap, vert 20%. Ça fait plaisir. Et maître de la bonne lecture, plus 30%. Donc, si il te lit comme un livre ouvert, t'es mort. Voilà. Tacle piégeur, 455, gros tacleur. Contre lourd, 465 aussi. Non, 455 et 465. Interception, 295. Et passe, 250. Je me dépêche un peu parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses encore à voir, les gars. C'est une grosse vidéo, c'est une vidéo anniversaire, c'est le premier jour. C'est nimp, les gars. On est déjà à 21 minutes à peu près. C'est nimp. Non jap, vert, plus 2%, donc très facilement activable. Et il va debuff l'équipe adverse s'il y a au moins 3 non jap aussi. En fait, si tu joues contre une autre vert, moins 5% en fait. C'est marrant parce que s'il y a deux verts, ils se debuffent tous. Ils se debuffent entre eux. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Tueur de tir, 4, 40% de stats si c'est un tir flottant haut. Et il va remplir la cage full power plus 1%. Et désactiver. Il a un shield. Voilà. Non, les joueurs, ils sont forts. Les joueurs sont forts. J'ai un tout petit bémol sur Rivaul, mais vraiment un tout petit. Mais les trois autres, là, le Carlos, le Grandiose et le Bluno, pop, 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 pop. C'est ouf. C'est ouf, les gars. Donc voilà, vous voyez, hein, il y a du Dreamfest, etc. Voilà. On va attendre les 10 tickets. Les 10 tickets. On va tout attendre en fait. Voilà. Peut-être à la gauche, je peux vous craquer un ticket SSR, les gars. Voilà. On va craquer des petites. Enfin, un mixeur, vous inquiétez pas tout à l'heure. Je vais aller voir mon petit Diaz d'amour. Mon petit Diaz d'amour. J'ai sûrement oublié des choses parce que je découvre, les gars. J'ai rien vu de Mitch, etc. Ça, ils ont tout détaillé, tous les joueurs et tout. Moi, voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le jeu, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a en mission? Il y a un truc qui vient d'apparaître. Quoi, encore des excuses? 3 Dream Ball, excuses? Ah non, c'est Confédération. Alors, joueur, on va aller chercher le Diazu. Alors, Diaz, Diaz, Diaz. En plus, avec la mort de Maradona, les gars. En plus, voilà. Ah oui, je vous ai pas dit. Enfin, ceux qui me suivent pas sur Facebook, sur Twitter. Déjà, c'est pas bien de pas me suivre sur Twitter. Vous avez dû voir que sur les multi gratuites journalières, j'ai chopé le Diaz Boca. Magnifique. Quel bel honneur pour notre, pour Diego, paix en son âme. Génie du football. Exactement. Génie du football. Voilà. Et la carte, attention, les gars. La carte est extrêmement belle. Elle est là. En plus, HA. Oh là là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Putain, la cage. Oh là là là. La carte, pardon. Ah là là. Le dribble unique. Le dribbleur unique au monde. Je sais pas si Club ils l'ont fait exprès par rapport à la mort de Diego. Je sais pas s'ils ont eu le temps de la sortir. Je pense pas qu'ils ont eu le temps. En fait, c'était déjà programmé comme ça. Mais je crois que c'est vraiment une belle coïncidence entre la mort de Diego et cette carte qui est juste sublimissime. Cette carte, quand je l'ai vue tout à l'heure sur Twitter, j'ai pété les plombs. C'est un de mes objectifs du jeu. C'est que si je l'ai, j'arrête le. Enfin, le jeu, c'est bon. J'ai eu le boss final.
avec Naturel Zahler, qui est, bah, que vous voyez juste là, qui est là. D'ailleurs, je vais essayer de la récupérer. Celle-là, ce sera dans mon nouveau overlay. Hein. Cette carte, elle est juste oufissime. 23 731 en attaque, 7793 en dribble, 8770 en tir et 7168 en passe. En physique, c'est pas mal, c'est pas mal. Quasiment 8000 en rapidité, 7000 en technicité. C'est ouf, c'est ouf. Super cohésion, non jouable, 20%. Pression. Donc s'il remporte son dribble, eh ben, en face, il va avoir moins 15% sur ses trucs, quoi, sur sa commande. Dribble de russe, on le connaît, il est magnifique le truc. Tir en 3 mouvements de gym, donc c'est le tir. Bon, 475. Peut-être essayer de lui donner le tir du Dream Fest V2, le tir de la banane. Et passe feuille morte. Voilà, bon, bien évidemment, je vous laisse checker tout ça. Mais la carte est belle. La carte est trop belle, frère. Elle est trop, 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 trop belle. C'est un délire. La carte, c'est un pur délire. Paramètre plus 2% pour tous les joueurs non Jap pour tous les joueurs avec au moins 3 Japon 3 juniors dans l'équipe. D'accord. Ok. Bonus de victoire à chaque fois qu'une victoire est remportée. Ah ouais, donc il peut monter jusqu'à 30% s'il réussit deux fois un dribble, par exemple, ou une passe. Oh là là. Moins 10% lors d'utiliser d'une TS. Wow, les gars, attention, les gars. 2,5% quand il réussit un dribble réussi. Oh, les gars, attention, les gars. Attention. HM, comme dirait l'autre. HM, les gars. HM, les gars. Voilà, les pièces Diaz pour le terminer. Putain, il est beau, sa mère. Ah, je suis désolé de parler comme ça, mais il est trop beau. Il est juste sublime. Il est juste sublime. Donc j'ai peut-être oublié peut-être des joueurs. Je sais qu'il y a un Shingo qui va arriver normalement. Je sais pas s'il est arrivé ou il va arriver bientôt. Un Shingo G-League, je crois. Ouais, je crois qu'il n'est pas encore arrivé, le Shingo G-League. Ouais, un Shingo payant. Sur un step payant. Je crois qu'il y a un dribble aussi, notre ami le Kaiser. Il est là. Hop. On va voir ça rapidement. C'est un dribble S, les gars. C'est un dribble S, donc c'est important. Apparemment, c'est très très dur de l'avoir. Il est là. Putain, la carte, elle est belle. Hein. Putain, la carte, elle est belle, bordel. Putain, mais les gars. Les gars, c'est quoi ces cartes de fou, les gars? Et on... Ah ouais, donc. Attends. Donc lui, c'est un joueur gratuit coffre. Il donne 20% au non-jab bleu. Non, mais c'est n'importe quoi, les gars. C'est nimp. Bientôt, les super cohésions vont te donner gratuit, cousin. Et s'il y a Lévin et Chaud dans le. Enfin, s'il y a Lévin et Chaud, 20%. Ah, il peut être viable. Tueur de type force, tueur de contre et lien équipe. Faut voir en vrai s'il peut être viable en vrai. Bon, c'est un peu faiblard les stats. Voilà, bon, c'est un joueur coffre, hein, mais. Ta carte, elle est belle, bordel. Elle est belle, bordel. Ah, les gars, ouais, joueur coffre. Putain, 20% ils ont donné, hein. Putain, ils ont respecté Schneider, les gars. Ils ont respecté Schneider. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour des joueurs. J'ai dû en oublier. Hein. J'ai dû oublier des joueurs. De toute façon, je vous laisse checker, les gars. Hein. Je vous laisse checker les vidéos de Mitch, BJ, etc. qui vont faire des joueurs que j'ai peut-être. Ouais, ils sont passés sous le nez. Donc voilà. On va aller en recruter. Je sais que vous attendez ce moment-là depuis 28 minutes. Je sais. La vidéo, c'est du n'importe quoi. La vidéo, c'est du n'importe quoi. Alors, faisons pas les mongolitos. J'ai peut-être pas claqué tous les tickets SSR. Parce que si par exemple, il renouvelle le détecteur, au moins que j'ai la chance d'avoir un des nouveaux joueurs, quoi, tu vois. Bon, on va faire le multi SR+. Bon, bah, s'il n'y a plus de suspense, les gars. Allez, un new et on est bien là. On commence bien l'anniversaire. Un new, on commence bien l'anniversaire. C'est le premier en plus. Allez, pas un doublon, s'il te plaît, ça sera sympathique. C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire le mixeur, tranquille. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, c'est une multi SR+, donc voilà. Je vais faire deux
On va faire deux trucs. On va faire deux. On va aller, on va claquer deux tickets quand même pour vous récompenser de votre fidélité légendaire. Hop. On va faire deux. On va laisser trois de côté. Allez. Allez, waifu! Ce qui est bien avec la G-League, c'était pas les waifus, c'était Matsuyama, Misaki, Tsubasa et Sawada, je crois, qui était là. Diaz! Attention, les gars, je vais pas avec mes sentiments, les gars. Bon, c'est Diaz Day One. Lui, c'est le Diaz Day One, les gars. C'est. Tire de la feuille morte, quoi. C'est le Diaz Day One. C'est pour ça que je veux pas claquer tous mes tickets SSR. Là, j'en claque deux. Ouais, voilà, c'est des doublons, donc. Allez, on va s'arrêter là pour l'instant. On va voir le mixeur. On va faire le mixeur. Ça. Grande gratitude. What? Attends. C'est pas le ticket gratuit qu'on donne par jour. Non, non, c'est pas celui-là. D'abord, on va faire le mixeur, les gars. On va faire le mixeur. Allez, mixeur. On va se débarrasser de toutes les merdasses qu'on a cumulées pendant ce temps-là. Alors, voilà, bon, lui, hop, 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 et hop. Allez, première salve. Ok, sans commentaire. Toi, tu pars. Après, il y a des petits DTS que je vais garder, peut-être des doublons que je vais garder. Apparemment, il est pas mauvais, Hugo Ramirez. Pas mauvais. En plus, super cohésion, non jab rouge. Je le garde. Lui, je le garde. Ça, il peut peut-être me servir. C'est un new. Je suis content. C'est un new. Il n'y a pas de problème. Merci, Club. C'est un new. C'est tout ce que je voulais. Alors attends, déjà lui on va faire un truc très sympathique. Hop, 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 voilà, comme ça on fait pas de bêtises. Hop, 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 et hop. Ah ça appartient le mixeur les gars. Ah je vais tout mixer les gars. Enfin pas tout mais tous les merdas on va les mixer. Je l'avais pas lui. Bon bah écoute. Pourquoi pas? Attention à pas d'en mettre dans le mixeur. Bon, après, c'est pas une grande perte. Lui, je l'ai. C'est parti. Bon, il vaudrait mieux que je commence par le bas. Vu que c'est des SSR que dès le début, je voulais pas du tout. Je viens de le mettre. Je viens de le mettre, les gars. Rendez-moi pas ma monnaie, les gars. Eh ouais, les gars. Ouais, attention, attention, parce que là il y a des Rising Sun, je viens de voir. Ouais, Broly, je m'en balèque. Lui, je m'en balèque. Lui, je m'en balèque. Balèque, balèque. Voilà. Hop, hop. Enfin, Ishizaki, les gars. Enfin, Ishizaki. Super cohésion mondiale de la mort. Putain, moi j'ai pas d'Ishizaki, les gars. J'ai pas d'Ishizaki, les gars. Ok, bon, je prends. J'ai dit, moi, tant que tu me donnes du new, je suis content. Content. Ah, mais je voulais continuer le mixeur, mon gars. Alors, merdas. Ouais. Hop. T'as vu, j'ai deux doublons, Genzo. Ouais, je l'ai déjà lu. Pas mauvais, mais je l'ai déjà. Mais je vais peut-être pas le mettre dans le mixeur. Je vais peut-être le garder. Hop. Hop. Ton sang, pas faire limp. Lui, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Tu vois, eux, je les garde, tu vois. Je les mets de côté, je les garde. Voilà, bon, tire du feu. Mesquine. Toi aussi. Et toi aussi. Ouais, faut pas faire n'importe quoi.
Ah, je l'avais pas lui. Il est un bon joueur à l'époque. Le Sawada était un bon joueur. Je crois qu'il donne une passe. Je vais checker, peut-être donner à manger à mon Sawada Urawa Red Diamond. Alors, lui. Lui. Non, pas de... non, franchement, mettre un Dreamfest, ça me fait mal au cœur. Même si c'est un ancien, mais ça me fait mal au cœur. Le Dia, je sais pas ce qu'il donne. Lui, je vais le garder peut-être peut-être qu'avec sa TS, j'ai besoin de peut-être deux ATS. Voilà, tu vois, même j'ai des 87 que je garde de côté. Je sais, on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Lui, c'est, je crois que c'est bon. Lui, je peux m'en débarrasser. Et lui aussi. Toute façon, il n'y a pas de Larson très très fort. Hein. Ça, on va aller plus vite. Il vient de me le donner, cousin. Arrêtez, les gars. Ah, la valve, comme dirait l'autre, la valve. La valve, Nita. Désolé, Mitch. Désolé. Hop. 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 En même temps, ça va me faire de la place. Ouais, je l'avais déjà lui. Ouais, il faut faire attention parce qu'il y a des TS qui peuvent me servir. Mais frère, tu viens de me le donner. Oh là 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 là. Après, j'ai envie de faire l'explosion de potentiel de la mort, le rendre Super Saiyan de la mort. Bon, Bazooka, tu dégages. Ça va vite, hein. Et lui. Incroyable, la valve. Là, c'est clairement la valve, les gars. Il me donne des joueurs qu'il vient de me donner. En fait, il vient de me donner. Il vient tout juste de me les donner. Vas-y. Bah, il repart. Il repart, il repart. Il sait qui, je vais peut-être l'exploser tout à l'heure. Eux deux aussi, je vais peut-être les exploser. En fait, lui, je vais peut-être l'exploser, le Almigia. Voilà. Bon, bah, écoute, on va l'exploser tout à l'heure. Alors. Je regarde bien. Voilà! Voilà. Apparemment, lui, il est très très fort. C'est un délire, hein, le Hakai. Voilà, c'est ça qu'on veut. On ne demande pas plus, les gars. On ne demande pas plus. On ne demande pas plus. Alors, allez, dernière salve. Je regarde bien. Ah, tir de Kaiser, tu peux partir, toi. Tu peux partir. Toi aussi. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Ouais, toi aussi. Plus j'ai deux fois. Parce que lui, je vais le garder, tac le papillon. Je vais le garder de côté. Je vais le garder de côté. C'est comme le Levin, je garde le tac de côté. Ah, c'est qui le dernier? C'est qui le dernier? Je réfléchis. Sawada, il donne quoi, Sawada? Sawada, j'ai envie de le tège, mais. Oh, Golden Dato! Bon, il part. Ouais, dégage. Je pensais qu'il avait une passe S. Je pensais qu'il avait une passe S. Ah, je l'avais déjà lui. Le Muller. Ah ouais, là je savais pas, je me rappelais plus. Je ne me rappelais plus. Putain, on est déjà à 39 minutes de vidéo. Putain, des mecs. Putain, les mecs. Faut que je me dépêche, faut que je me dépêche. Hop.
Ah, lui, il peut partir. Après, il y a la carte avec le maillot du Brésil, le vrai maillot du Brésil, donc ça me fait un peu yèche, mais. Mais Shizaki, j'ai envie d'en sacrifier. Hein. J'ai envie d'en sacrifier, hein, Shizaki. Attends, je vais voir lui. Tacle du Iris on reste. Bon, allez, vas-y. Après, je pense qu'après, je m'arrête là pour le mixeur. On va attendre un petit peu, on va pas faire des choses. Voilà. Très bien. Très très bien. Voilà, super cohésion verte, ça c'est très bien ça. C'est très très bien ça. Super cohésion non jab vert, c'est bien. Voilà, très bien pour Non, je suis content du mixeur. Très content, j'ai beaucoup de new, ça fait plaisir. Voilà, on va mettre ça de côté, ça aussi. Est-ce que je vous fais ça? Non, c'est non. On a bien joué les gars, mais je pense qu'on va s'arrêter là les gars. Alors on va s'arrêter là, hop. On va voir les events vite fait, bien fait, et on s'arrête là, parce que là ça fait 41 minutes. 40 minutes. Je vous avais dit hein, les chips, les gars. Je vous avais dit les chips. Hein. Ceux qui ont rien pris à manger, vous le regrettez là. Vous allez dire, ah, j'ai pas écouté les codes, j'aurais dû. Voilà. Fallait m'écouter. Ok, time attack. Ok. J'espère qu'ils nous ont laissé beaucoup de temps pour le time attack, parce que tout ce qu'il y a, voilà quoi. Donc l'event à farm, il est là. Le truc, une fois par jour pour gagner des ballons, il est là. On va voir s'il n'y a pas des nouveautés. J'ai pas l'impression. Normalement, si, non. Ah non, c'est. Ok. Donc, c'est ça les deux nouvelles choses. Ok. Il y aura des Dream Ball à récupérer. Je sais pas combien. On va voir. Ouais, que 4. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Avec tous les Dream Ball qu'ils viennent nous offrir, frère, c'est la fête. Non, franchement. Pour invoquer sur le portail Real Madrid-Barcelone, les joueurs sont forts. C'est vrai que les non-jap, ceux qui jouent non-jap comme Begito ou Atsushi, eux ils vont se faire plaisir. Ah, ils vont se faire clairement plaisir, les gars. Surtout Atsushi avec Bruno Grandios, il va se faire plaisir, le mec. Il va se faire plaisir. Bon, les gars, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon. J'ai dû peut-être oublier 2-3 joueurs, mais je pense que le principal a été présenté aujourd'hui. A été présenté aujourd'hui. Il y a des nouveaux joueurs qui vont arriver. On a un planning. J'ai liké sur Twitter un planning. Donc, de toute façon, je vais faire une vidéo. Quand il y a du nouveau sur l'anniversaire, une vidéo, hein, les gars, vous le savez. Et à la fin de l'anniversaire, on prendra une décision. Voilà. Je prendrai une décision si je continue ou pas le jeu. Pas parce que je vais être salaud ou quoi, parce que je pense qu'au bout de 3 ans, peut-être qu'il est peut-être temps de dire au revoir. Si on peut dire au revoir même sur une belle note, ça serait bien. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je vais décider. J'en sais rien. Peut-être que je vais continuer. Peut-être que là je vais arrêter. Mais voilà. Il est temps peut-être que je tire entre guillemets ma petite révérence. On laisse la place aux autres. Et les autres qui font du bien à la communauté, etc. Donc voilà. Tranquillement. Je pars sans regret. Je pense à ramener ma pierre à l'édifice. Comme tout le monde. Comme tout le monde a ramené sa pierre à l'édifice. C'est ça qui fait la beauté de notre communauté. Et voilà. Voilà. Donc je pense qu'on est à peu près ouais. Les amis, je vous kiffe. Portez-vous bien, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vos Dream Ball. Faites attention, l'année ça vient de commencer. Pas de décision hâtive. Tranquille, vous avez le temps de former des Dream Ball, etc. De voir, réfléchir. Quel type d'équipe, je vais y arriver. Vous voulez jouer, non jab, jab, vert, bleu, rouge, etc. À vous de voir tranquillement, posément, discuter entre vous sur les Discord et sur Twitter. Il n'y a pas de problème. Je vous kiffe. À bientôt. Ciao!